Genre, pas encore arrivé, mais en fait, les cheveux. Ah, Barnabé, enfin, ça va, tranquille. La caméra, on est pas au décollage, hein. Allez, filles, action. Ah, oui, on est parti, mais faut que vous y allez tout franchement. Imaginez que vous mangez un colombo de poulet de chez la tati voisine. Mais tu fais quoi? Bah, qu'est-ce qu'il y a? C'est Cremourt, le yaourt 2 en 1. À la fois yaourt et crème de jour pour se sentir belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Coupé. Wesh. Ah bon. Vous êtes moche, pas moche. Et si vous êtes naze, en plus de ça, vous serez pas payé. Roméo, mon Roméo, pourquoi es-tu Roméo? M'aimes-tu? Oh, je sais bien que tu diras oui. Et je te croirai sur parole. Madame, je m'engage par cette lune qui vaut l'argent, c'est Feuillage Charlie. Ne jure pas. Ma chère, en cas de douleur intestinale, je vais ne jurer que par le smic. Stop. Coupez, c'est quoi ce bordel là? C'est pas du tout. Je peux te trouver comme ça. Non mais no way. C'est une scène loin comme du langage verniculaire à mes oreilles. De mon doute peuple. Non, donc on est là, on l'aide, non? Non, mais vous inquiétez pas, on accepte, on est des pros, on a tout fait. On peut tout faire, on a redoré le site de Briochin, recyclé du tennis, toutes les marques se battent pour nous, vous inquiétez pas, we are the best. Non, stop Adèle. Réfléchis un peu s'il te plaît. Tu crois qu'on va faire comment? Sans Photoshop, les réseaux sociaux. You are stupid, stupid. Ça fait 3 putains de jours que je suis là et ça fait 3 putains de jours que vous me prenez la tête. Quoi? Non, rien. Ah putain. Mais tu es fou? Tu es folle? Même? Tu peux sortir là-bas, là, la porte est... Non. La porte est là-bas, dévirée, c'est comme ça. Vous êtes sûr? T'as plus ta place ici? Vous êtes sûr? Franchement, on a besoin de branleurs ici? Bon. Tu connais la sortie? Elle est par là-bas. Entendu, patron. Elle est dehors. C'est votre patron, ça? Eh oui. Non, c'est pas possible. Je crois que j'ai jamais rencontré quelqu'un aussi bête que toi, ma poufille. Tu penses qu'un projet pour un client spécifique peut convenir à un autre client en changeant juste le nom? Décidément, je comprendrai jamais comment t'as été embauchée ici. Hey, détends-toi, Agathe, là. Parce que, à part nous dire qu'on n'a rien fait, je comprends pas quoi tu sers non plus. Tu t'agites pas là, ce que je sache. Et puis le pire, c'est les meufs. Jogging rose, créole, chewing gum. Le tiers, c'est gagnant de la cagole. Et moi, les cagoles, j'écoute pas. On a la classe pour la part. Mais attends, je t'en prie si je parle. Non mais franchement, il y a que moi qui bosse sur ce dossier. Franchement, sur moi, c'est vraiment dans la merde. C'est quoi ce bordel? Et vraiment, je commence vraiment à avoir marre, quoi. Captage. Bon, ok, je suis désolée. Je sais que c'est plus bien, mais quand même, je crois que je vais vraiment finir par donner ma démission. Enfin, on a désactivé votre session sur votre ordinateur et toutes vos affaires vous attendent de faire sur les clés. Vous n'avez même plus remplacé par votre bureau. Vous me direz? J'ai travaillé pendant 5 mois d'arrache-pied dans votre agence, j'ai eu les meilleurs clients, je suis allée jusqu'à tuer mon enfant, j'ai fait mon choix, le travail, et maintenant vous me tuez, vous me direz? Coupé. Décalé.